Il y avait un groupe d'hommes qui circulaient dans une fourgonnette rouge. Ils étaient à la chasse aux femmes. Pour les mutiler, les tuer et couper leur sein afin d'alimenter un rituel satanique. Tous les quatre avaient le même désir. Manifestement, il y avait la même pathologie. C'est ce qui en fait un cas extrêmement rare. Il était le cerveau de cette opération. C'est la nature même du diable. Que s'est-il passé avec ces quatre garçons? Chicago. Avec ses 3 millions d'habitants, elle est la troisième ville en importance aux États-Unis. Construite sur les rives du lac Michigan et surnommée la ville des vents, son histoire, comme celle de la plupart des grandes capitales américaines, oscille entre lumière et ténèbres. Reconnue mondialement pour son architecture avant-gardiste, ses musées prestigieux et son exceptionnel orchestre symphonique, elle a également vécu des heures très sombres. C'est ici que, en 1893, le docteur H.H. Holmes a fait ériger son désormais fameux manoir de la mort, où il aurait assassiné plus de 200 personnes. Le premier tueur en série qu'ait connu les États-Unis affirmait être possédé du diable depuis sa naissance. Vers le milieu des années 1920, Al Capone avait fait de Chicago le théâtre de ses opérations criminelles. Et c'est également ici, dans une banlieue de Chicago, que John Wayne Gacy, surnommé le clown assassin, a torturé et assassiné pas moins de 33 victimes au cours des années 1970. Le 1er juin 1981, les policiers du comté de DuPage vont, sans le savoir, ouvrir un nouveau chapitre du Livre noir de Chicago. Ils accompagnent Hank McGinnis, le gérant du motel Brer Rabbit, dans une clairière voisine de son établissement, où l'homme a découvert un cadavre. Il s'agit d'une femme qui a été retrouvée près d'un hôtel dans un fossé. Tout a commencé avec une femme assassinée, agressée sexuellement et mutilée. Le Brer Rabbit, installé à Villa Park, une banlieue populaire de Chicago, est un établissement douteux, reconnu pour offrir des chambres à rabais aux prostituées. Ce matin-là, après qu'une employée se soit plainte d'une odeur nauséabonde en provenance du champ voisin du motel, Hank McGinnis découvre au milieu des herbes hautes le corps d'une jeune femme de race noire, gisant face contre terre. Vosburgh et Wilcox remarquent que les poignets de la femme ramenés dans son dos sont entravés par des menottes, une clé, brisée, toujours plantée dans la serrure. À ce moment, nous avons compris que nous avions affaire à quelqu'un de vraiment dangereux. La femme porte toujours son chandail, mais son slip est descendu à mi-cuisse. Dans l'un de ses bas, l'agent Thomas Vosburgh découvre quelques billets froissés et de la monnaie, un peu plus de 13 dollars. Clairement, le vol n'était pas le motif. À vue de nez, les agents estiment que la mort doit remonter à plusieurs semaines. Pourtant, le médecin légiste David Barrett établit que la mort remonte à 3 ou 4 jours seulement et que le corps est celui de Linda Sutton, une jeune prostituée de 21 ans. Cette femme a été horriblement mutilée et laissée sur place. Et comme cette femme, on lui a coupé les deux seins, de la vermine a pu rentrer dans le corps et malgré qu'elle ait été tuée récemment, l'état de décomposition était très très avancé quand on l'a découverte. Au cours des mois qui suivent, 5 autres cadavres de femmes seront découverts dans la grande région de Chicago. Ensuite, nous avons commencé à trouver d'autres victimes. C'était une sorte d'escalade. Quand les femmes étaient découvertes, elles étaient dans un tel état de décomposition qu'on ne pouvait pas dire quelle était la cause du décès. Plusieurs présentent des mutilations similaires à celles qu'a subies Linda Sutton. Violées, torturées, mutilées. On n'avait pas seulement violé ces femmes, mais on avait coupé leur sein tandis qu'elles étaient encore vivantes. Ça ressemble à une sorte de
d'humiliation, de destruction de l'essence même des femmes. Même si tout prête à croire qu'un tueur en série est à l'œuvre à Chicago, les policiers ne font pas encore le lien entre la mort de Linda Sutton et celle des autres victimes. Toutes ces mutilations et ces gestes de violence sadique pratiqués contre ces femmes étaient assez spécifiques. Et ces crimes avaient, en quelque sorte, le même dénominateur commun. Nous devions déterminer si les similarités entourant le meurtre de ces femmes trouvées dans les environs de Chicago étaient suffisamment évidentes pour être reliées avec celles des victimes découvertes à Chicago même. Le 15 mai 1982, Lorraine Borowski, une agente immobilière d'Amherst, autre banlieue de Chicago, disparaît à son tour. Tôt le matin, Lorraine Borowski se rendait à pied à son travail, à Amherst, quand elle a été enlevée. Un sac à main et une paire de chaussures au milieu de la chaussée devant le bureau de l'agence. C'est tout ce qu'il y avait. 5 mois plus tard, le 10 octobre 1982, un adolescent découvre le cadavre d'une jeune femme dissimulée au bout d'une allée du cimetière Clarendon, à Villa Park. Des mois plus tard, on retrouve la fille, encore une fois décomposée. D'après l'expert médico-légal, la jeune femme aurait été poignardée à plusieurs reprises, puis amputée du sein gauche. Grâce à ses vêtements et à ses empreintes dentaires, le coroner identifie la victime, Lorraine Borowski. Les détectives, en particulier Warren Wilkos, étaient persuadés que les suspects qu'ils cherchaient étaient de Chicago. 2 semaines après l'assassinat de Lorraine Borowski, c'est Shui Mack, 30 ans, qui disparaît à son tour. Elle était née et avait été élevée en Chine. Elle était arrivée avec ses parents et vivait avec eux. Elle travaillait pour une entreprise quelque part dans le comté de Page, où on fabriquait des gyrophares, une compagnie d'équipement électrique. Elle travaillait là 8 heures par jour, puis se rendait ensuite au restaurant de la famille pour y travailler encore. Le soir de sa disparition, alors qu'elle rentrait du travail en compagnie de son frère Kent, une violente dispute éclate. À un arrêt, Kent lui ordonne de descendre. Il est 1h30 du matin. Cette nuit-là, Shui Mack ne rentrera pas à la maison. Elle s'est mise à marcher en direction sud, sur Barrington Road, depuis Schaumburg Road, parce que c'était le seul chemin qu'elle connaissait pour se rendre à la maison. L'enquête sur la disparition de la jeune Chinoise sera confiée à la police de Cook County. Le 30 septembre, le corps de Shui Mack est découvert sur un chantier de South Barrington, une banlieue huppée de Chicago, dans le comté de Cook. Elle était à peu près aussi proche que nous le sommes, vous et moi, d'une fourmilière. Et il ne restait plus rien. Plus de chair. Mais ses vêtements étaient toujours là, ainsi que son magnifique médaillon. L'arrière de son crâne était fracturé. Et elle avait une incisive brisée. Alors il semblerait qu'on lui ait donné un coup de poing et que sa tête aurait basculé vers l'arrière. Des fils d'acier sont retrouvés près du corps. Le détective Troca, relevant du bureau du shérif du comté voisin de Cook County et chargé d'identifier la victime, n'oubliera jamais cette scène de crime. Nous avons analysé la scène de crime et à ce moment, j'ai tenté de l'identifier. La découverte du corps de Shui Mack fait comprendre aux divers services de police du Grand Chicago qu'ils ont affaire à un tueur en série. Ou pire, à un groupe de tueurs en série.
Sitôt que nous avons eu deux ou trois victimes, nous avons été en mesure de comprendre que c'était l'œuvre de la même ou des mêmes personnes. Les enquêteurs revoient alors tous les dossiers des nombreuses victimes. Et un témoignage retient leur attention. Au mois de juin précédent, Holly Clemens, alias Angel York, une prostituée du Red Light, a raconté qu'elle était montée à bord d'une camionnette conduite par un client régulier. Il l'a ramassée pour l'aider à fuir la police lors d'une descente contre les prostituées. Elle est montée dans sa fourgonnette, mais a rapidement compris qu'elle était dans une bien plus mauvaise situation que celle qu'elle tentait de fuir. Le chauffeur lui a ordonné de cesser de gémir et de se tenir tranquille. Puis, ils ont roulé jusqu'à un chantier désert dans le quartier de North Cleaver. En juin 1982, un homme enlève Holly Clemens, une jeune prostituée de Chicago. Il la force à monter à l'arrière de sa camionnette, où il l'oblige à se déshabiller. Il a fini par lui perforer le côté du sein. Puis il a élargi la blessure avec un couteau pour y introduire son pénis, afin d'avoir une relation sexuelle avec son sein. Au terme de cette interminable agression, il abandonne sa victime dans une allée, près de l'avenue Grand. Heureusement pour elle, il lui a mis du ruban gommé sur le sein, puis l'a jeté hors de sa fourgonnette. Découverte 5 minutes plus tard, elle est conduite à l'hôpital, où son état sera stabilisé. Le 27 août, une autre prostituée de race noire, mutilée, est retrouvée morte sur les berges de la rivière Chicago. On a retrouvé une femme sous un pont. Je crois que c'était le pont de la 4e avenue. Il y avait là un homme qui ramassait des canettes et des bouteilles vides et qui a trouvé son corps. Sandra Delaware avait les mains nouées derrière le dos et elle avait également été amputée du sein gauche. Ils utilisaient des cordes de piano pour sectionner les seins. Le 8 septembre, Rose Beck Davis, une femme de 30 ans, est découverte derrière un complexe d'habitation à prix modique, près de North Lake Shore Drive. Sa poitrine avait été fracassée avec une hachette. Et on avait utilisé le manche de la hachette pour détruire son vagin. Il avait enfoncé le manche de la hachette dans son vagin. Le légiste allait trouver dans son vagin des pièces de bois provenant visiblement du manche d'une hache artisanale. En révisant tous ces dossiers, les enquêteurs sont confus. Ces criminels n'utilisaient pas de critères racistes pour commettre leurs méfaits, puisque les victimes étaient aussi bien des femmes blanches que noires. Aucune victime n'est vraiment choisie. On roule sur un chemin, une femme est en panne d'essence, craque, elle disparaît, on n'en parle plus. Pendant des semaines, on la retrouve mutilée et morte dans un champ, dans un terrain vague, dans une voiture, etc. Peu importe les raisons, nous étions en présence de cadavres de femmes assassinées. Et nous avions le devoir de trouver les coupables. Beverly Washington, une jeune prostituée âgée de 20 ans, est retrouvée près d'une voie ferrée de Chicago. Malgré la gravité de ses blessures, la jeune femme de race noire respire toujours. Ce qui a fait tourner l'enquête dans le bon sens, c'est une des personnes qui a été enlevée, a survécu à ses blessures, bien qu'on ait cru qu'elle était morte. Elle a dû s'amputer elle-même d'un sein avec un couteau. Elle sera aussitôt conduite à l'hôpital, où les médecins arriveront à stabiliser son état. Depuis son lit d'hôpital, elle se confie. Ce soir-là, Beverly Washington s'adonnait à la prostitution. Le soir de son agression, elle grimpe à bord d'une camionnette rouge conduite par un homme âgé d'environ 25 ans. «
Elle a décrit son agresseur comme étant le propriétaire d'une fourgonnette rouge avec des sièges foncés et des plumes accrochées au rétroviseur. De fait, il n'y avait pas de rétroviseur, mais les plumes étaient accrochées là où aurait dû se trouver le rétroviseur. L'homme l'a conduit dans un lieu désert et la force a passé à l'arrière de sa camionnette, aménagée en atelier. Elle a raconté qu'on l'avait entraînée à l'arrière de la fourgonnette, qui était séparée de l'avant par une cloison de contreplaqué. Il y avait des tablettes de chaque côté. L'arrière de la fourgonnette était parfaitement aveugle. Pas de fenêtre, absolument aucune ouverture. Sous la menace, il lui ordonne de se déshabiller. Il la fait mettre à genoux et l'oblige à lui faire une fellation. Puis, l'homme lui fait avaler de force une poignée de pilules. À partir de ce moment, Beverly commence progressivement à perdre conscience. Beverly Washington a raconté qu'on lui avait donné des capsules pour l'endormir. Et lorsqu'il a retrouvé ses esprits... Elle avait subi l'ablation d'un sein. Après le récit de Holly Clemens au mois de juin précédent, le témoignage de Beverly Washington est le deuxième à associer aussi clairement une camionnette rouge au crime du mutilateur de Chicago. Trois semaines plus tard, les agents Phil Murphy et Tom Flynn de la police de Chicago interceptent une camionnette répondant en tout point à la description qu'en a faite Beverly Washington. Ce que Beverly Washington avait raconté à propos des plumes accrochées au rétroviseur nous a aidé à identifier la fourgonnette. La police trouve par hasard le van qui correspond à la description qui avait été faite par la victime. Elle arrête le van. Hélas, l'allure du chauffeur ne colle pas avec la description qu'en ont faite les victimes. L'homme n'est âgé que de 21 ans et s'appelle Eddie Spritzer. Toutefois, il affirme que la camionnette n'est pas à lui, mais à son patron, un certain Robin Gecht, un entrepreneur en construction domiciliaire. Ce van est conduit par un certain Spritzer qui dit « Ouais, moi je suis qu'un chauffeur, mais je peux vous emmener chez mon patron qui est Monsieur Gecht. » Les enquêteurs lui remettent ses papiers et l'informent qu'ils vont l'accompagner jusqu'au chantier où il souhaite s'entretenir avec son patron. À destination, les policiers sont accueillis par Robin Gecht et constatent que ce dernier correspond trait pour trait à la description qu'en a faite Beverly Washington. Quand j'ai rencontré Robin Gecht, j'ai trouvé que c'était un petit homme sans envergure, un faible. Je l'ai également jugé désagréable. Gecht est... très hautain avec la police. Et il leur dit d'ailleurs, si vous voulez parler ou si vous voulez me parler, parlez avec mon avocat. L'homme est parfaitement calme et détendu. Et lorsque le détective Phil Murphy l'informe que sa camionnette a peut-être été impliquée dans un crime, Gecht reste impassible. Il ajoute même que si tel est le cas, il collaborera du mieux qu'il peut avec la police. Robin Gecht, Eddie Spritzer et deux autres employés du chantier sont alors conduits au bureau de la brigade du 5e district de la police de Chicago. Tous nient catégoriquement être impliqués dans quelque activité illégale que ce soit. Murphy et Flynn retournent alors au chevet de Beverly Washington, toujours hospitalisé à l'hôpital général de Chicago. Malgré qu'il se soit écoulé trois semaines depuis sa terrible agression, elle garde un souvenir très précis de son agresseur. Ainsi, lorsque les policiers lui montrent la photo de Robin Gecht, la jeune femme le reconnaît sans hésiter. Robin Gecht, âgé de 29 ans, est mis en état d'arrestation et formellement accusé d'agression et de tentative de meurtre contre la personne de Beverly Washington. C'est le 30 novembre 1953 que naît Robin Gecht,
au Advocate Illinois Masonic Medical Center de Chicago. Peu de temps après sa naissance, il est confié aux bons soins de ses grands-parents paternels, Reuben et Sarah Gecht, avec qui il vivra une enfance paisible. Il y a beaucoup d'enfants qui sont élevés par leurs grands-parents et qui deviennent tout à fait normaux, qui ont une vie tout à fait adéquate. Le fait qu'il ait développé des traits comme ceux-là, c'est beaucoup plus complexe et ça va au-delà du simple fait d'avoir été élevé par ses grands-parents. Vers 22 ans, Robin épouse Rosemary McCaffrey, puis fonde sa propre compagnie de construction. Robin Gecht était un homme d'affaires, propriétaire d'une entreprise de construction. Robin Gecht était le patron. Il était copropriétaire de la compagnie avec sa femme Rose. Il était marié, avait des enfants et apparemment avait une relation abusive avec sa femme. Rosemary n'avait pas tardé à découvrir les pratiques sexuelles abusives de son époux. En plus de lui imposer ses nombreuses infidélités, Robin, qui consomme drogue et alcool, l'a forcé à diverses pratiques sexuelles perverses, dont le sadisme. Il aimait la frapper et la torturer. C'est quelqu'un qui manifestement prend plaisir à faire souffrir des victimes, faire souffrir des femmes. Ça a commencé avec sa propre conjointe, à qui il infligeait des sévices. Il obligeait sa femme à le laisser lui planter des aiguilles dans les seins. Même chose pour sa maîtresse. Où trouve-t-on des femmes qui acceptent de subir ça? Il y a des femmes qui, malheureusement, se sentent impuissantes face à leur mari, se sentent dépendantes et n'ont pas cette force-là de les laisser pour se retrouver seules. Comme si ces pratiques ne suffisaient pas à le rassasier, Robin Gecht se tournera vers de parfaites inconnues, proie idéale pour satisfaire ses macabres fantasmes. Aux prises avec plusieurs meurtres à caractère sadique, la police de Chicago met enfin un suspect en état d'arrestation. Dans les bureaux des enquêteurs du 5e district, Robin Gecht nie catégoriquement être impliqué dans l'agression de Beverly Washington. Gecht prend le policier de très haut. Il n'est pas concerné. C'est une histoire qui ne concerne pas. Gecht est un fin manipulateur. Et les policiers réalisent vite qu'ils n'en tireront rien. Ils décident alors de se tourner vers Eddie Spreitzer, lui-même en détention préventive. Visiblement nerveux, le jeune homme de 22 ans transpire à grosses gouttes. Edward Spreitzer était un maladroit. Et je sais qu'il a paniqué lorsqu'il a appris que Robin Gecht était dans la pièce d'à côté pendant qu'on l'interrogeait. Sitôt qu'on prononce le nom de son patron, il sursaute sur sa chaise. Robin Gecht était un patron très dominant et même très désagréable. Alors il faisait tout ce qu'il voulait. Ils ont peut-être même été abusés par lui, du moins en tant qu'employé. Visiblement, Eddie Spreitzer est terrifié par la personnalité de Robin Gecht. Et c'est cette faiblesse qu'exploitent les enquêteurs. Ils lui disent qu'il n'a rien à attendre de Robin et que ce dernier l'accuse de tout, à commencer par la sauvage agression sur Beverly Washington. Ils prennent Spreitzer et l'interrogent d'une façon assez forte et le font craquer. Et Spreitzer écrit un rapport où il avoue des crimes, etc., etc., sur un rapport qui dépasse les 70 pages. Ce qui est énorme, ce qui est énorme. Pendant des heures, il racontera comment il a accompagné Robin Gecht dans ses randonnées meurtrières. Comment il a été témoin de ses violences et à quel point Gecht était obsédé par les saints. Robin Gecht dit qu'il aime les saints. Plein d'hommes dans le monde aiment les saints. Obsédés par les saints, amoureux des saints, qui ont une fascination pour les saints, qui sont fétichistes. Il voulait savoir ce qu'il y avait à l'intérieur des saints. Comment ils fonctionnaient, à quoi ils servaient. Il était obsédé par les saints, bien au-delà de la normale. La plupart des amateurs de saints ne s'amusent pas à les couper. Clairement, c'est un sadique qui aimait faire souffrir les gens. À bord de la camionnette de ce dernier, ils auraient enlevé et torturé au moins 7 femmes. Robin finissait généralement le travail en coupant l'un des seins de sa victime avant de se masturber dans la plaie. Gecht l'aurait même forcé à faire de même avec 2 ou 3 des victimes. En entendant ce récit, les agents Murphy et Wilcox sont abasourdis.
Puis, au moment de signer ses aveux, Spreitzer se rétracte. Edward Spreitzer passait d'un extrême à l'autre. Oui, c'était mon patron. Non, il ne l'était pas. Finalement, il affirmera que les crimes auraient été orchestrés par un troisième homme, un certain Andrew Cocorales. Andy a été impliqué par Edward Spreitzer. C'était la première fois que son nom était mentionné au cours de l'enquête. Le soir même, les agents Warren Wilcox et Tom Flynn procéderont à l'arrestation d'Andrew Cocorales. Un jeune homme de 23 ans qui habite Villa Park, banlieue voisine de l'endroit où, en juin 1981, on a découvert le corps de Linda Sutton. Monsieur Cocorales s'est présenté volontairement au poste 5 où il a été interrogé. Cocorales ne met pas longtemps à avouer sa participation à ces différents crimes et aux rituels qui s'ensuivent. Pendant de longues heures, Andrew Cocorales décrit dans le détail certains des plus horribles crimes jamais commis dans la région de Chicago. Andy Cocorales a avoué sa participation et son implication dans le meurtre de Rosebeth Davis et d'autres meurtres. Robin Gett était toujours présent lorsque ces meurtres ont été commis et Eddie Spreitzer était présent lors de certains. Spreitzer connaissait les frères Cocorales et les quatre ensemble formaient l'équipe des ventreurs. Avec diverses combinaisons de ces hommes, parfois ils étaient quatre, trois, ou deux. Quand il a perpétré son agression sur Beverly Washington, Robin Gett était seul. Et ce n'était pas la procédure habituelle. Ils étaient à la chasse aux femmes. Il n'y avait que le chauffeur à l'avant. L'autre ou les autres étaient à l'arrière. Et ils se rendaient sur les lieux où l'agression allait se commettre. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés à tuer et a mutilé de nombreuses femmes, dont plusieurs n'étaient pas des prostituées, mais qui avaient simplement eu la malchance de rencontrer ces hommes alors qu'ils recherchaient des victimes potentielles. La façon dont ces individus-là opéraient répond à plusieurs besoins. Le premier besoin étant celui de ne pas se faire prendre. Deuxième des choses, la façon dont ils le faisaient leur permettait d'assouvir leurs besoins, c'est-à-dire de sadiser les femmes, de les faire souffrir et carrément d'en jouir sexuellement de cette souffrance-là qu'ils généraient. Andrew Cocorales racontera également comment Robin Gecht, Eddie Spreitzer et lui-même ont forcé la jeune Schwimack à monter à bord de leur fourgonnette. Il a admis lui avoir donné un coup de poing au visage. C'est comme ça que la dent s'est cassée et que l'arrière de son crâne s'est fracturé. Une fois inconsciente, ils l'ont portée sur un chantier de construction près de Barrington. Comme la jeune Asiatique avait des seins très plus volumineux, Gecht a renoncé à l'amputer. Ce qui ne les a pas empêchés de se livrer à un rituel infiniment macabre. Robin lui a fait plusieurs incisions profondes dans la poitrine. Et les trois hommes ont, à tour de rôle, plongé leur sexe dans ses plaies. Pour conclure, Gecht a étranglé la jeune Schwimack avec un fil d'acier. Nous avons fouillé la fourgonnette et nous avons trouvé un bout de fil d'acier qui avait cette forme. Les deux extrémités étaient enroulées et pouvaient servir de poignée. Et cette section était posée sous la gorge. À ce stade, Cocorales sait qu'il en a déjà trop dit et qu'il ne peut plus revenir en arrière. Il parle alors des autres victimes. Incluant les meurtres de Rosebeth Davis, de Lorraine Borowski et de Linda Sutton, la femme qui avait été trouvée derrière le Brer Rabbit Motel. Aucun détail sordide ne sera omis. Durant son interrogatoire, Andrew Cocorales décrira en détail tous les meurtres sadiques auxquels il a participé, si bien que les enquêteurs Wilcox et Flynn ont peine à contenir leur fureur. J'étais incapable de croire ce qu'ils avaient fait.
Ça vous amène à vous interroger. Comment peut-on trouver des gens capables de faire ça? Il est probablement beaucoup plus facile de trouver trois types qui vont accepter d'aller voler une banque avec vous que d'en trouver trois qui vont assaillir des femmes, kidnapper des femmes, les assaillir sexuellement et les mutiler avant de les tuer. C'est vraiment à l'extrême limite des probabilités quand on y pense. Enfin, quand on y pense, c'est absolument... inconcevable. Déjà de rencontrer quelqu'un qui a un sadisme sexuel au point de mutiler ses victimes de cette façon-là, de les torturer et de les tuer, c'est extrêmement rare. D'en avoir un groupe de quatre qui partagent la même pathologie, c'est encore plus rare. On espère qu'on ne verra jamais ça. Moins de 48 heures après l'arrestation d'Andrew, l'agent Warren Wilcox est de retour au domicile familial des Cockerellis. Cette fois pour y interroger Thomas, le frère cadet d'Andy. OK. Coco Raleis parle aussi que son frère, qui est un peu simplet, Tommy, qui lui n'était pas au courant de tout, mais participait. La police l'interroge. Lorsque l'agent Wilcox lui parle d'Andy, d'Eddie Spritzer et de Robin Gecht, Tommy s'agite, se détourne et évite son regard. Wilcox sait que ce genre de comportement cache quelque chose. Le policier lui demande alors s'il accepterait de se soumettre au détecteur de mensonges. Et Thomas accepte. À la brigade d'Elmhurst, Thomas Cockerellis est soumis au test du polygraphe, test qu'il échouera lamentablement. Confronté à ce fait, Tommy déballe son sac à son tour. Il n'a pas été difficile d'obtenir des aveux de Thomas Cockerellis. C'était un type peu intelligent qu'on a facilement convaincu de dire la vérité. Il explique que son frère Andrew, Edward Spritzer, et lui-même forment un groupe de satanistes, dirigé par Robin Gecht. Une messe noire est exactement l'inverse d'une messe catholique. Les crucifix sont inversés, mais toutes sortes de choses du genre. C'est dans une chambre spécialement aménagée dans le grenier de Gecht qu'ils auraient participé à des rituels macabres. En secret, pendant que son épouse était au travail, il amenait les restes humains de ses victimes dans cette chapelle et ça donnait à des rites sataniques. L'un des rituels consistait à utiliser les seins coupés des femmes dans lesquels ils s'étaient parfois masturbés alors qu'ils étaient encore dans le van avant de les couper et de s'en servir lors de leur rituel satanique. Comme s'ils étaient une partie du corps du Christ. C'était fait dans le but d'augmenter leur pouvoir dans le cadre de propriétés magiques associées au sein des femmes. Ils se masturbaient également sur les seins dans le cadre de leur rituel. Suite à ces masturbations, Gecht découpait les seins et chacun consommait une partie de la poitrine de la pauvre femme qui a été ainsi mutilée. La façon de collectionner les seins des femmes qu'il mutilait démontre une forme de fétichisme qu'on voit extrêmement rarement. Leur groupe aurait enlevé de nombreuses femmes de la région de Chicago afin de les agresser et de les mutiler avant de les assassiner. Combien y en a-t-il eu? On ne sait pas trop. Il pourrait y en avoir jusqu'à 18. Certaines des victimes ont été identifiées, mais pas toutes. Cockerellis avouera avoir vu jusqu'à une quinzaine de seins dans une boîte où Gecht gardait ses trophées. Il y avait ces boîtes et ce grenier plein d'accessoires liés au rituel. J'étais certaine que ça sortirait lors d'un des procès. Mais à ma connaissance, ça n'a jamais été évoqué en cours. Il me semble que ça aurait été une preuve solide pour appuyer l'accusation. Le fait que ça n'ait jamais été évoqué demeure un mystère pour moi. Il y a eu une proposition faite par la défense avant le procès, à l'effet que l'accusation ne devait pas évoquer ce fait. Et nous avons accepté, parce que nous n'avions pas de preuves solides. L'unique mention de ces rituels relevait de la déposition faite par Andy Cockerellis. Mais ce n'était pas le point central du procès. Au gré de ces confessions, Tommy avoue être persuadé que Robin Gecht jouit de pouvoirs surnaturels
et qu'il est lié au maître des enfers. Les autres lui attribuent des pouvoirs occultes aussi. Rubé conseille aux gens de regarder Gage dans les yeux. Never look him in the eye. Ne le regardez jamais dans les yeux parce qu'il va vous dominer. Il a des pouvoirs magiques. Ne le regardez jamais dans les yeux. Lorsque les policiers se rendent au domicile de Robin Gecht, situé au 2163 de l'avenue McVicker Nord, pour y confirmer le récit de Thomas Cockerellis, ils y trouveront cette fameuse pièce secrète, aménagée au grenier. Dans sa maison, la police trouve dans son grenier un temple qui est aussi avec des décorations et des symboles que l'on appellerait sataniques. Les enquêteurs y trouvent également des livres sur le satanisme, des boîtes à trophées vides, ainsi qu'une carabine, dont les experts en balistique confirmeront qu'elle a été utilisée récemment. L'affaire des tueurs de Chicago se produit au tout début de ce que les sociologues appelleront plus tard la grande peur satanique, le Satanic Panic. Les gens surréagissaient à l'influence du satanisme sur la culture populaire. Et lorsque ces crimes se sont produits, les gens ont vraiment paniqué. Mais c'était essentiellement parce que ces crimes sataniques, étaient d'une nature franchement horrible, abominable. Lorsque le FBI commence son enquête sur les activités des groupes sataniques, sans aller jusqu'à dire que les crimes sataniques n'existent pas, le FBI va plutôt révéler que ceux-ci sont rarissimes et que lorsqu'ils se produisent, ils sont généralement l'œuvre de petits groupes mal organisés et souvent sous le contrôle d'un leader charismatique comme Charles Manson ou Robin Gecht. Robin Gecht n'avait aucune aura. Rien de comparable à celle que j'ai pu voir chez Charles Manson. Qu'il les ait manipulés ou qu'il ait pris plaisir à faire ce qu'il faisait. Robin Gecht savait sur quel bouton appuyer pour amener ses hommes à faire ce qu'il voulait qu'ils fassent. Quand quelqu'un se permet de faire quelque chose, ceux qui l'ont simplement en fantasme, peut-être que le fantasme ne se serait jamais exprimé de cette façon-là. Mais le fait que quelqu'un le rende concret, on est prêt à le suivre. Fait que c'est possible, effectivement, que s'il n'y avait pas eu ce leader-là pour amener tout le monde aussi loin, que les autres n'auraient jamais fait ça. À partir du moment où quelqu'un rend ça possible, concret, pour quelqu'un qui a la, pour des gens qui ont la même perversion, mais là, ils l'ont suivi volontairement, ça fait aucun doute. Avec l'arrestation de Robin Gecht, Teddy Spritzer et des frères Andrew et Thomas Cockerellis, les divers services de police du Grand Chicago sont sûrs d'avoir mis un terme aux activités de ce quatuor de monstres, baptisé à juste titre par la presse « les éventreurs de Chicago ». Le nom « éventreurs de Chicago » est une création des médias, lequel, je crois, est dérivé du fait qu'on ait affaire à l'assassinat de prostituées, du moins en partie. Ce qui nous ramène à une certaine similarité avec l'affaire de Jack l'Éventreur, à Londres. Une fois qu'ils eurent été arrêtés et emprisonnés, il n'y a plus jamais eu de ce type d'attaque horrible et de meurtre de femmes à Chicago. Dès lors, leur sort est entre les mains de leurs juges. Le quatuor d'éventreurs de Chicago se retrouve devant les tribunaux et Robin Gecht sera le premier à faire face à la justice. Le leader du groupe avait un ascendant sur les autres, manifestement. Les autres étaient à la fois intimidés, impressionnés par ce leader-là. Ces types étaient effrayés par les conséquences que pourrait entraîner le fait de se tourner contre lui, parce qu'ils pensaient vraiment qu'il possédait des pouvoirs magiques qu'il tirait de ses rituels. Et je ne suis pas certaine qu'ils aient cessé de le croire. Ils l'admiraient et suivaient ses ordres. Quelle qu'ait été l'origine de l'influence qu'il avait sur les trois autres, c'était une influence pour le moins significative. Dans le cas de Gecht, et pour le protéger, les autres suspects se rétracteront tour à tour. Aucun de ses complices n'a accepté de témoigner contre lui. Ils avaient vraiment peur de lui. Ils croyaient qu'il pouvait se venger même s'il était emprisonné. Ils étaient assez superstitieux et ont refusé de témoigner contre lui. Ce qui a eu comme résultat qu'on n'avait aucune preuve directe pour impliquer Gecht dans les meurtres, mais uniquement de voies de fait parce qu'on avait un témoin.
Le témoignage des deux survivantes révèle le sadisme d'un Robin Gett qui, assis à quelques mètres d'elle, continue de clamer son innocence. Et avec toutes les informations que l'on a sur lui, le diagnostic de psychopathe peut s'appliquer sans aucun problème. Et on sait que ces individus-là, pour eux, mentir, c'est pas un problème. I was never involved in murder cases. Nor did I know. Nor were you involved with rape? No, I never knew. If you're involved in murders, you had to be involved with the rape. I didn't. Il ne nie pas d'avoir participé aux différents rituels, mais il n'a rien à voir ni avec les crimes, ni avec les meurtres, et surtout pas, il n'a jamais amputé aucune femme d'aucun sein. Robin Gett innocent, c'est ridicule. Mais le jury n'est pas dupe. À l'issue des délibérations, Gett est reconnu coupable de tentative de viol, de voies de fait graves et de meurtre. Il a reçu une sentence de 120 ans. C'est le maximum cumulatif des accusations classiques de tentative de meurtre, kidnapping, voie de fait et viol. Et le juge a statué qu'il devait purger la moitié de sa sentence. 60 ans. 60 plus 28. Il aurait donc 88 ans lorsqu'il sortira. À moins qu'on ne change la loi. Ce que je ne souhaite pas. Thomas Cocorales, le moins impliqué dans cette série de crimes, sera reconnu coupable d'avoir participé au meurtre de Lorraine Borowski, la jeune agente immobilière de Remax assassinée en mai 1982 à Elmhurst. Thomas condamné à 70 ans de prison. À ce moment, il sera éligible à une libération conditionnelle. Andrew Cocorales succède à son frère sur le banc des accusés. Lui, qui quelques mois plus tôt était si volubile devant les agents Warren Wilcox et Tom Flynn, affirmera n'avoir aucun souvenir de ses agressions. Andy a toujours plaidé qu'il n'était pas impliqué dans les meurtres. Il n'a pas plaidé coupable. Il a vigoureusement contesté les accusations. Eddie Spreitzer et Robin Gett n'ont pas témoigné contre lui. Les preuves contre Andy sont venues des déclarations verbales qu'il avait faites aux policiers, ce qui constituait une preuve suffisante pour aller de l'avant avec le procès, sans davantage de témoignages. Le jury a imposé la peine de mort à Andy Cocorales, et de fait, il a été le dernier condamné à être exécuté en Illinois. Il sera exécuté par injection létale le 17 mars 1999 au pénitencier de Thames. Eddie Spreitzer sera le dernier à faire face à la justice. Le 2 mars 1984, il plaide coupable aux accusations de meurtre sur les personnes de Rose Beck Davis, Sandra Delaware et Shui Mack. J'ai témoigné contre Spreitzer. Alors j'ai raconté mon histoire à propos de mon enquête sur Shui Mack. Eddie Spreitzer a reçu une condamnation à vie. Dans un autre procès, il plaidera également coupable aux accusations d'enlèvement, de viol et de meurtre sur la personne de Linda Sutton. Il a également été accusé dans le comté de Page et condamné à mort. Spreitzer allait être exécuté et il y a échappé. La sentence de Spreitzer a été commuée lorsque le gouverneur a commué toutes les sentences de mort en emprisonnement à vie sans possibilité de libération. Eddie Spreitzer ne sortira jamais de sa cage. Robin Gett est toujours vivant, et Eddie Spreitzer aussi, alors que toutes leurs victimes sont mortes et que leurs familles continuent de souffrir de leurs pertes, alors que la justice, à mon sens, réclamait qu'ils soient exécutés. Le jury en est venu à un verdict que je crois juste, en imposant la prison à vie. Je ne vois vraiment pas ce qu'ils ont pu tirer de leur geste, mis à part l'évidence. Mais clairement, ce qu'ils en retiraient leur suffisait pour qu'ils continuent à le faire à répétition. Ils ne sont pas arrêtés après la première en disant « Ce n'est pas pour moi, réflexion faite, c'est trop ». Ils ont continué à l'accompagner à bord de la vanne pour traquer des victimes. Et ils les trouvaient, et ils leur ont fait subir des atrocités. C'est la nature même du diable. Un proverbe indien rappelle que même le diable a besoin d'un compagnon. Dans le cas des éventreurs de Chicago, il en aura trouvé quatre. Et l'un d'eux l'a déjà rejoint en enfer. Ce que nous sommes devenus maintenant, nous le devons à notre enfance. Qu'est-il arrivé à ces quatre garçons? C'est la pire situation à laquelle j'ai été exposé durant toute ma carrière de policier.
Ils sont tous en prison. Et notre société peut se consoler en sachant qu'il n'y aura pas d'autres victimes à cause de ces hommes.